vos carnets créatifs et lectures. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment entre notre dernière vidéo et celle-ci. Et aujourd'hui, nous allons commencer cette vidéo par quelque chose de très peu habituel. On va parler dessin, on va parler Zentangle. En fait, cette semaine a été très compliquée. Je n'ai pas fait du tout ce que je voulais parce que y a différents événements qui sont intervenus, qui m'ont mis le moral dans les chaussettes et j'ai eu besoin de me réfugier dans une bulle pendant un certain temps et j'ai ressenti le besoin à ce moment-là de dessiner. Le tricot, j'ai pas avancé. J'avais bien avancé, j'ai complètement reculé parce que je me suis rendu compte que j'avais une erreur. J'ai dû défaire au moins 12 rangs, récupérer mes mailles pour repartir comme il faut. Du coup, je suis restée là-dessus. J'ai dit, c'est pas la peine, t'as pas la tête à ça, c'est pas la peine. J'ai le manteau de mes renards séparés, j'ai fait défait, refait. Un nombre incalculable, le même rang, voire deux rangs, enfin bref, je crois qu'il y a une erreur dedans, mais on s'en fout, hein, franchement, c'est vraiment stade. L'erreur restera si elle est là, ce n'est pas grave, et du coup, j'ai tout laissé en plomb, j'ai dit, allez, quand j'irai mieux, je reprendrai tout ça. C'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que j'ai pas la tête au comptage, j'ai pas la tête à la réflexion, donc il me faut quelque chose où ça soit cool. Et le dessin, ça me fait du bien. Je dessine, je me repose, je suis vraiment dans la méthode Zentangle, c'est-à-dire je me pose devant mon petit carré de dessin, j'inspire, j'expire avant de commencer, je me mets dans une bulle un peu méditative, et puis ensuite je laisse venir les choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, et puis que j'ai envie de dessiner, mais parce que c'est pas vraiment du travail, et voilà. Donc je me suis dit que comme ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré ce genre de dessin, j'allais vous en montrer. Alors pour moi c'est plutôt du Zia. Alors c'est du Zentangle et du Zia. Parce qu'en fait, est arrivé pile au moment où c'était un peu le moral en berne. J'ai eu un lien qui me disait que j'avais pas participé à la séance à laquelle j'ai le droit tous les mois par rapport à mon parcours et que du coup j'avais le droit au replay. Donc c'est vrai que je suis allée dessus, je me suis connectée et puis j'ai dessiné avec Gigi en replay et c'était vraiment très intéressant. Et puis je sais pas, j'étais pas dans le truc, j'ai eu du mal à me dire que c'était près dans le Zentangle. On ne cherche pas à ce que ça soit beau, on ne cherche pas à ce que ça soit parfait, on ne cherche pas à ce que ça donne quelque chose de particulier. On cherche juste à prendre un bon moment, à se poser, un peu méditatif, mais créatif. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'en faire d'autres, surtout besoin de faire d'autres. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais vous les présenter. Donc, pour ce petit moment créatif, nous avons fait celui-ci, qui est juste magnifique. Vous voyez, avec tous ces dessins de fond, ces reliefs. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, mieux je peux pas, hein, de toute façon. Et je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment, vraiment très beau. Si je vous mets de plus près, voilà. Ça c'était un bon moment de dessin. Ensuite j'ai eu besoin d'en faire un autre et j'avais envie de faire celui-ci, donc j'ai fait celui-ci, je trouve vraiment très beau, j'adore. Ça c'est du pur Zentangle, c'est que des motifs de Zentangle, il n'y a rien de pas Zentangle dedans non plus, donc ça c'est vraiment, ça fait du bien. Ensuite j'ai fait celui-ci qui se prend comme ça, non, faut prendre, on s'en fout, hein, j'allais dire, peu importe le sens dans lequel vous le prenez, voilà. Il n'y a pas de sens dans le zen, donc après ça dépend d'où j'ai mis ma signature, mais voilà. Donc ça en fait, c'est à peu près le même dessin, parce que Gigi, elle le faisait en bleu justement, comme ça. Et vous verrez, ça ne donne pas du tout la même chose, hein. Ce sont les mêmes dessins, avec un rendu complètement différent parce que dans celui-là, j'ai de la couleur.
Dans celui-là, j'en ai pas, c'est que du noir. Et j'avais envie de refaire le motif en essayant la couleur comme Gigi. Et puis après, j'ai mis des petites fioritures à moi perso, mais j'aime bien j'aime beaucoup le rendu. Voilà, voilà. Ça, c'était mon troisième. Et puis ce matin, j'avais besoin, j'ai fait ça. Donc là, c'est plutôt du Zia, il y a un mélange de Zentang, il y a un mélange d'imagination, d'envie, de voilà, rien de spécial. Voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. C'est vraiment joli, ça rend bien. Ça fait comme s'il y avait enfin, dans mon imagination, hein, après vous percevez ce que vous voulez, hein, c'est comme si c'était un espèce de rideau qui tombe à ras d'une fenêtre. Derrière, il y a la fenêtre. Et puis, devant, on a mis des pots. Il y a des pots avec des fleurs, à plus ou moins imposées, à même le sol, surélevées. Enfin, voilà, c'était un peu l'idée du moment. Voilà. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ouais. C'est un peu vraiment, c'est ça. C'est un côté très doux, très méditatif. Alors, ils sont tous différents. J'étais en train d'essayer de vous les poser pour vous les mettre. Voilà, ça c'est très très. Donc, on peut appeler ça du Zia parce qu'il y a des motifs Zentangle et d'autres pas. Et ça, c'est du Zentangle pur. Ça et celui-là. On pourrait peut-être même mettre plutôt comme ça. Comme ça. Alors, je vais refaire un jeu de cartes. C'est pas facile. Voilà. Oui, vraiment, les trois sont très différents. Hein. Et pourtant, les deux mêmes sont très différents. Voilà. Donc voilà, ça fait du bien, ça me permet de décompresser. Je ne cherche pas la perfection, je ne cherche pas le souci. Je pense que je vais reprendre ma formation cette semaine, j'en ai vraiment besoin. D'ailleurs, je pense que là, après cette vidéo, je vais me reconnecter un peu pour voir d'autres points, pour suivre ma formation, parce que je m'y étais arrêtée. J'ai feuilleté un peu tous mes cahiers, parce que j'ai plein de cahiers à dessin très différents les uns des autres, dans lesquels j'ai pas toujours la même chose. Donc voilà pour le début de cette vidéo. Oui, je voulais juste vous dire aussi qu'au niveau couture, eh ben, j'ai pas cousu, mais j'ai coupé. J'ai coupé il est là. J'ai coupé dans du tissu qui sera ma toile, mon pantalon Roméo. Hein. Sauf que je ne fais pas les pièces là, puisque c'est une toile. Mais du coup, voilà. J'ai toutes mes pièces, vous voyez, hein, je ne vous mens pas. Mon pantalon, il est derrière. J'ai plus qu'à... Il n'y a plus qu'à coudre, hein, franchement. En plus, un pantalon, ça va vite à coudre. Mais j'ai pas l'envie. Et quand j'ai pas l'envie, je fais des bêtises. Alors j'ai dit, bon, je préfère le faire un peu plus tard en ayant envie. Et puis il sera mieux fait. Voilà, peut-être que l'envie va venir hein, ce week-end. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne peut jamais dire jamais. Dans une journée, on peut faire plein de trucs qu'on n'a pas prévu. La preuve, je n'ai pas prévu de redessiner. Et ben, j'ai redessiné, ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai retrouvé plaisir à dessiner. D'ailleurs, je me demande si je vais pas refaire plus de dessins. Je m'excuse, je bois un peu de thé parce que c'est pareil, j'ai couru partout. Comme mon fils s'est blessé lors de ses vacances, je fais beaucoup de courriers à l'hôpital pour faire les visites, les soins, etc. Enfin bref. Donc, on a la guigne en ce moment, on peut pas appeler ça autrement. Hein. Bon, ben sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. On se retrouve rapidement pour vous parler de ma lecture terminée. Il s'agit de La lumière était si parfaite de Karen Ponte aux éditions Pocket. Et franchement, ce livre, c'est une pépite. J'ai adoré. L'écriture de Karen Ponte, c'est vraiment une écriture qui est addictive
et qui pour moi me parle énormément. Dans son dernier livre, et que quelqu'un vous tende la main, je m'étais vachement retrouvée à l'intérieur. Et dans celui-ci, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que cette personne, alors je sais pas si c'est si elle s'inspire de sa vie pour ça, mais en tout cas, elle parle de sujets qui sont très actuels et qui, pour ma part, s'apparentent beaucoup à des émotions que je ressens, à des choses que j'ai vécues. Et c'est vraiment très rigolo. En plus, dans ce livre, il y a des passages très rigolos parce qu'elle nous parle. Pour vous expliquer un peu, on a comme personnage principal Meg, qui est une mère de famille, qui a deux enfants, un mari, qui est orpheline, qui est devenue réellement orpheline puisqu'elle a perdu son père il y a 10 ans et sa mère il y a quelques mois, et elle vit un passage difficile lié au deuil. Mais de là va découler un certain nombre de mal-être au fond d'elle-même. Et en parallèle, elle découvre le mal-être, elle essaye de comprendre le mal-être de sa fille également, qui est en pleine période d'adolescence. Donc il y a beaucoup de passages comme ça qui nous parlent. Et puis en parallèle, on a son amie Romy, qui est une jeune femme du même âge que Meg, donc elles ont 40 ans toutes les deux. Et elle vit complètement à travers des jeux, des jeux télévisés. Enfin, elle a une vie complètement à part. Et elles sont amies. Et Romy fait beaucoup de bien à Meg en ces moments difficiles parce que son mari, on ne peut pas dire qu'il soit à son écoute ni qu'il fasse attention à elle. Sa fille, elle est en pleine crise d'adolescence, donc forcément, elle renforce le côté un petit peu déprimant. Et puis, elle a un petit garçon qui est quand même très... qui s'émerveille de tout, de rien, et qui est une vraie dose de bonheur pour elle et de tranquillité. Toutes les deux font référence à des... Quand elles parlent de leur passé, Meg et Romy, elles font référence à des films télé qu'on a connus, que moi j'ai adoré, à des chanteurs de jeunesse que j'ai écoutés. Enfin, vraiment, c'est hyper rigolo. C'est vraiment, ça me parle, ça m'a vraiment mis dans l'ambiance de ma jeunesse. J'ai eu l'impression de faire un petit retour en arrière avec elle. C'était très, 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 très rigolo. C'est vraiment très chouette. Et puis, elles vont partir en road trip à la recherche... du passé et la recherche du présent. C'est vraiment hyper hyper intéressant, hyper addictif comme lecture. Les personnages sont hyper attachants, tous autant qu'ils sont, que ce soit Meg, Romy, Lali, le petit garçon Malone. Bon, le mari on le met de côté parce que lui c'est plutôt un boulet au départ, mais on va dire ça comme ça, mais vraiment c'est hyper chouette, hyper chouette. Je vous le conseille. Voilà, c'est une super lecture, un super moment. L'écriture de Karen Ponte, c'est toujours très agréable à lire. C'est écrit de façon simple, accessible à tout le monde, et en mettant tellement d'émotions et ouais, c'est vibrant dedans. Moi, j'adore. Voilà, en tout cas, je ne peux que vous le conseiller. Oh, je suis en train de me décaler du cadre. Je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, si vous voulez, je vous mets le quatrième de couverture, ça peut vous aider. Mais franchement, moi, je l'ai lu. En fait, j'avais besoin de lire. Vous savez, cette semaine, elle n'était pas simple. J'ai eu besoin de lire. J'ai pris le premier qui m'est venu. J'ai vu Karen Ponte. J'ai dit, ah, la dernière fois, c'était génial. Eh ben, franchement, j'avais même pas le titre en tête. Je savais même pas de quoi ça parlait. Pouf, 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 les prix. J'ai eu un texte. Franchement, je devrais faire ça plus souvent. Des découvertes comme ça, sans savoir de quoi ça parle. C'est chouette. Bon, voilà. Bon, sur ce, pour aujourd'hui, je vous laisse là. Nous, on va s'en aller. Et je vous dis à plus tard. On se retrouve aujourd'hui, je viens rapidement vous parler laine, mais juste vous parler projet crochet associé aux laines que j'ai commandées. Je vous avais dit que la dernière fois, j'avais quand même fait une commande de chez Hobby parce que la unicorn était à des prix vraiment très très bas. On était à moins de 10 euros les chevaux, on était à 9,50 ou 9,90 euros, je ne sais plus, enfin un truc comme ça.
et que je voulais faire ce magnifique top au crochet et qu'il fallait 4 couleurs. 3 couleurs ? 4 couleurs. 4 couleurs. 4 couleurs. Et du coup, ben, je voulais vous les montrer puisque je suis. En ce week-end, nous sommes allés chez mes beaux-parents et donc du coup, j'ai pu récupérer mon colis. Donc je vous montre. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai décidé pour ce modèle de faire avec ce combo-là. C'est des couleurs. Vous avez donc du parme. Vous le voyez rose, mais c'est un violet très très clair, très 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 clair. C'est la couleur 13, alors il n'y a pas de nom, c'est que des numéros, c'est le coloris 13, donc c'est 100 grammes pour 400 mètres, pardon, c'est de la fingering, et c'est de la laine écotexte standard 100. Donc c'est une très très jolie couleur. Je sais pas, moi dans mon retour écran, c'est pas tout à fait, mais presque. Ensuite, vous avez ce violet. Je pense que là, c'est la bonne couleur que vous avez. Hein. C'est un violet comme ça. Mais c'est des couleurs qui sont assez... c'est un violet assez lumineux quand même. Donc ça, c'est le coloris 12 apparemment. Oui, donc c'est la même chose, hein, l'unicorne de chez Obi. Que je mélange avec ce violet, toujours, mais beaucoup plus foncé. En fait, on est sur un dégradé de violet, hein, vous voyez. Donc, qui est déjà plus dans les bleu-violet, violet-bleu, déjà. Donc ça, c'est le coloris 11. Il est vraiment très joli. Et puis, il proposait dans le combo, c'était un combo que j'avais vu, je vous avais dit, dans une page de présentation avec ce bleu là. Alors ça donnait pas ce bleu là moi quand je regardais le truc, mais comme il y avait que ça, je pense que c'était celui là mais c'est pas mal au final, voyez. Et en fait on va pouvoir les mélanger. Je trouve que ça et ça, ça va bien ensemble, ça et ça, ça va bien ensemble, ça et ça, ça va bien ensemble, ça et ça, ça et ça, enfin, ça va super bien ensemble, enfin, à mon goût en tout cas. Et donc, avec ces 4 magnifiques écheveaux, je vais essayer de faire le Scrappy Granity. Alors, c'est la première fois que je ferai un vêtement au crochet. Pour l'instant, j'ai fait beaucoup de châles. Enfin, beaucoup. J'en ai quand même quelques-uns. J'ai fait beaucoup d'amigurumi, ça oui. J'ai fait des accessoires, j'ai fait des choses comme ça. Avec des laines toujours un peu plus épaisses, sauf les châles où c'était de la fingering aussi. Mais ça sera le premier projet pull au t-shirt, au crochet. Et ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est que c'est pas tellement à jourer. Vous voyez, le crochet, c'est vrai que souvent il y a des trous. À partir du moment où on est sur une bride, une demi-bride ou une double bride, on a de l'aération. Pour l'été, c'est vachement sympa. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment un beau projet. Et en plus, ça sera une construction un peu particulière parce que d'habitude, les projets en crochet, on les fait, tous ceux que j'ai regardés jusqu'à présent, on fait le devant, on fait le derrière, puis après, on fait les coutures. Ou alors, on intègre les manches en même temps qu'on fait le devant, le derrière, enfin, je ne sais plus, et puis on fait les coutures quand même. Sauf que là, c'est une construction en rond. On part sur apparemment, on part d'un yoke, comme ça. Et puis ensuite, ben, on poursuit. Donc, c'est vraiment une découverte complète. Et j'ai très hâte de le mettre sur mes aiguilles. Donc, je vais bobiner une de ces merveilles, n'importe laquelle, pour faire déjà mon échantillon, le bloquer, regarder ce qu'il en est au niveau de l'échantillon, savoir quelle taille j'aurais besoin de faire, quel crochet, si le crochet est bon ou pas. Si je suis si détendue que ça du crochet ou pas, parce que ça dépend aussi la période à laquelle je vais le faire. Et puis, ça va être méga méga bien. Trouvez-vous pas? Regardez rien comme ça. Je trouve génial moi. Mélanger comme ça. Voilà. Enfin bref, voilà. Et j'en ai pris une cinquième, mais c'est pas pour aller avec. C'est ce magnifique moutarde. C'est un moutarde comme ça.
que je veux associer à un autre. Je vais vous chercher le projet que je veux faire. J'arrive. Voilà, voilà. Je m'étais commandé il y a quelques temps de ça, ce magnifique bleu canard que donc je vais coupler avec juste cette icheveau-là pour faire un jacquard, un pull en jacquard. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Hein. Vu l'allure à laquelle je fais en plus mon vitamine D, ce ne sera pas pour tout de suite. Hein. Pour faire ce modèle-là de Marie-Amélie Design, c'est le Boswellia. Je le trouve juste canon. Alors, elle a une laine dégradée, qui va de la plus claire à la plus foncée, dégradée, voilà, dégradée de même couleur. Mais moi, je le voulais comme ça et je trouvais que c'était beau. J'ai hésité avec un jaune peps, un peu comme ça, quoi, parce que c'est un peu la couleur là, hein, son pull. Ou celui-là. Et en fait, la couleur que j'aimais le mieux, c'est celle qui est ici. Et je pense que c'est ce que ça peut donner avec ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un projet. Donc déjà, je pense que je vais mettre ça dans un sac à projet avec mes écheveaux. Comme ça, quand j'aurai envie de le castonner, je pourrai le castonner et je me rappellerai ce que je voulais faire avec. Et puis voilà. Et puis, je voulais juste vous montrer un petit diamond painting que j'ai reçu. Que je me suis fait offrir. Trop bien, trop bien, trop bien. Regardez comme il est beau. Oh, celui-là, il va être beau hein, quand il va être fait. J'ai très envie de le commencer. J'en ai un autre à faire avant, alors ça m'embête un peu. Mais en même temps, celui-là, il a plus des couleurs qui m'appellent que l'autre. L'autre est très beau aussi, mais c'est des couleurs beaucoup plus ternes, beaucoup plus foncées, je ne sais pas. Maintenant qu'il est plat, que je l'ai aplati, voilà, j'ai très envie de le faire. Ouais. En plus, il y a beaucoup de couleurs différentes. Je pense que c'est... Ouais. Ce sera peut-être par celui-là que je commencerai. Non, mais regardez-moi ça. De loin, ça va être canon. Canon. Il faudra que je vous montre. J'en ai accroché deux en haut dans la chambre. Des enfants. Et c'est vraiment... Ça fait joli. Mon fils, d'ailleurs, il m'a dit « Oh, maman, c'est super ce que tu as mis au mur. Au moins, ça fait... ça rend la chambre plus gaie parce que avant c'était trop blanc. » Comme quoi des fois, il faut un petit rien qui rehausse le tout. Et je pense que celui-là, ben, ça sera le troisième que je mettrai du côté. Il en manquait un en fait, mais qui allait bien ensemble. Et je me suis dit, ben, c'est celui-là. Celui-là, ce sera celui-là. Je pense. Je demanderai quand même l'avis à mon fils, mais je pense que oui. Bon, ben voilà, pour aujourd'hui, j'étais juste venue vous parler de ça. Et puis, ben, on se retrouve un petit peu plus tard. Il s'agit de Ciao Bella de Serena Giuliano que j'ai eu aux éditions Pocket. C'est un livre que ma belle-mère m'a prêté et qu'elle avait acquis pendant le salon du livre de 2022. Elle n'a pas mis la date, mais c'était ça, je crois. Qu'elle lui avait
dédicacé et franchement, il est excellent. C'est une pépite. C'est le deuxième livre que je prends dans ma bibliothèque en me disant j'ai déjà lu cette autrice, elle me plaît bien, mais sans savoir de quoi ça parle. Et franchement, super, super belle découverte. Je ne peux que vous le recommander. Je me suis marrée avec ce livre parce que vraiment, la rencontre avec Anna était juste formidable. Anna, c'est une jeune femme qui suit une psychothérapie, qui est maman, mère de famille, qui suit une psychothérapie et qui a énormément de peur, de crainte, qui l'empêche d'avancer. Et grâce à cette psychothérapie, eh ben, elle va avancer, elle va évoluer, elle va pardonner, elle va changer et elle va enfin pouvoir vivre mieux sa vie de femme, tout simplement. Et Serena Giuliano nous décrit cette Anna avec beaucoup d'humour, beaucoup de spontanéité verbale. Vraiment, on ne peut que se marrer avec ce bouquin. C'est une bouffée d'oxygène. Et comment elle dit, c'est fort, c'est drôle, c'est tendre. C'est ce que dit Virginie Grimaldi sur ce livre. Et je confirme, c'est exactement ça. C'est drôle, c'est fort, c'est tendre. Anna, c'est une personne qui est attachante. Qui a grandi dans des conditions difficiles, qui est devenue cette femme extraordinaire au fur et à mesure de sa psychothérapie. Elle a osé, elle y est arrivée et c'est une très belle image du travail qu'on peut faire en psychothérapie. Étant passé par là, je comprends tout à fait. Et vraiment, ce qui est vraiment rigolo dans ce roman, on a l'impression que, alors je ne dis pas que Serena Giuliano est l'héroïne, mais on pourrait le penser. On pourrait penser qu'elle a écrit sa propre histoire, quelque chose de son passé. Mais bon, le remerciement nous fait penser que ce n'est pas le cas. Mais vraiment, on a l'impression que oui, l'héroïne, c'est l'écrivain, qu'elle se raconte, qu'elle nous raconte sa façon d'être, d'affronter les choses à sa manière, avec son langage, avec son côté très, très spontané. Moi, je l'ai rencontrée qu'une fois à ce salon Serena Giuliano et franchement, j'ai vu une femme pleine de gentillesse, pleine d'humour. Je l'ai déjà vu dans des petites vidéos sur Instagram, quand j'avais Instagram à l'époque. Vraiment, je trouvais, elle et Virginie Grimaldi, un duo de ouf. Enfin, vraiment, elles sont rigolotes. Bon, ce sont deux très, très bonnes amies. Et justement, elle en parle dans ce roman. C'est pour ça que je me suis dit, mais ça se trouve, il y a une grosse partie d'elle dans ce roman. Et si c'est le cas, franchement, c'est juste magnifiquement écrit. Et c'est juste sublime. Je ne peux que vous le recommander. Faites-vous plaisir. Vous avez envie d'une lecture doudou. Vous avez envie d'une lecture où vous ne prenez pas la tête. Où vous avez besoin de vous la vider, justement. De décompresser. D'avoir un peu de folie, j'allais dire. Parce que vraiment, les dialogues sont juste géniaux. Je me suis marrée, je ne sais pas, un nombre incalculable de fois. En le lisant, et même mon fils il me disait, t'as encore une page qui te fait rire, et je dis mais oui, mais tout le bouquin est fait comme ça, et tout le bouquin c'est juste un bonheur à déguster sans modération. Voilà, bon ben pour aujourd'hui je voulais juste vous parler de ça. Je vais peut-être vous montrer rapidement mon avancée sur le vitamine D parce que c'est le seul qui a avancé un petit peu. Alors vous n'allez pas avoir une avancée de ouf parce que, ben comme je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit, j'en sais rien. J'ai eu une semaine assez compliquée où j'avais pas du tout la tête à tricoter, à crocheter ou quoi que ce soit. Tout ce que j'entreprenais, c'était foiré.
Donc j'ai dit laisse tomber, puis de toute façon j'avais pas envie, j'avais envie que de dessiner, que de besoin de dessiner, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait encore plein d'autres dessins, mais je sais pas si je vais vous gaver avec ça, parce que vous n'êtes pas là pour le dessin, je ne pense pas. Donc voilà, je vous en ai montré un peu en début de vidéo, bon j'en ai fait d'autres, mais après c'est voilà. Si vous avez envie, vous me le direz, si vous voulez en voir, je vous les montrerai un petit peu dans chaque vidéo si ça vous dit. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire pour me dire bah oui, on aimerait bien voir, etc. Donc là, en tout cas, je vous montrerai. Mais sinon, voilà. Donc, voilà, voilou, je vous montre ça. Je ne sais pas si vous verrez grand chose parce que. Mais j'ai séparé les manches du corps. Vous voyez, les manches qui sont sur les petits. Est-ce que je suis à l'envers? Je suis à l'envers, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Voilà. Ah, ben là, vous avez la bonne couleur, je crois. Pour une fois que vous avez la bonne couleur, il me semble bien que vous avez la bonne couleur. Donc là, c'est la manche. Là, c'est le demi-devant droit. Avec ses jolies augmentations. Ensuite, ben, on a le dos. Donc là, je vous le tourne parce que le dos, ben, voilà, on a continué ces jolies augmentations sur le dos. Maintenant, elles vont s'arrêter puisque sur le dos, il n'y a plus de trou-trou. On a le demi-devant. Enfin, on a le bras gauche et le demi-devant gauche. Voilà, on a bien avancé. Et donc, j'ai séparé le tout. Oh, j'ai fait à peine quelques rangs. Voilà. Alors, ça pourrait être vachement plus avancé pour toutes ces raisons que je vous ai dit. Si j'avais eu une semaine normale, enfin, une semaine moins prenante au niveau mental, j'aurais pu avoir avancé. Sauf que j'ai beaucoup d'effets pour beaucoup refaire. Donc, à un moment donné, j'ai dit j'en ai marre. Et à un moment donné, j'ai dû défaire 2, 4, 6, 8, quasiment 10 rangs parce que j'avais à ce niveau ici. Alors, c'était non, c'était au niveau des demi-devants. Au niveau ici, par exemple, et ben à cet endroit ici précisément, j'avais pas mis le jeté. Donc ça faisait tout partout les rayures normales. Et puis là, tout d'un coup, bah, c'était tout plein. Donc j'ai dit laisse tomber, ça fait moche, il faut recommencer. Donc, j'ai recommencé. Oh, mais là, j'ai pas enlevé rang par rang. J'ai relevé mes mailles au mieux du mieux. Et puis j'ai tout défait après. Voilà. Donc, sans ça, je me suis pas pris la tête. Mais je pense que c'est pas que j'ai oublié de faire, je pense que j'ai fait, mais mon jeté, quand j'ai dû tricoter mon rang en vert, j'ai dû le faire tomber et je m'en suis pas rendu compte. Voilà. Et j'ai eu le même souci un deuxième coup, mais j'ai réussi à le rectifier à la main. Et ça se voit pas, d'ailleurs, je sais même plus où c'est que j'ai fait ça. Voilà. Enfin bref. Donc ça avance plutôt bien. Pour l'instant. Donc maintenant, ben, je suis vraiment sur le corps du gilet. Je ferai les manches quand j'aurai quasiment terminé avec celui-là, le corps. Donc là, effectivement, vous avez, ouais, voilà, c'est vraiment là, vous avez la belle couleur. Hein. Vous voyez cet effet de noir, de mauve. Moi, j'adore, hein, franchement. Voilà, vous voyez. C'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment très, très joli. Donc, voilà, voilà pour l'avancée tricot. Donc, bon, de toute façon, je me suis fixée, je vous avais dit, mi-juillet. Oh, je ne sais pas si je vais y arriver, hein, parce que, franchement, je tricote quand même comme une tortue. Bah, d'une, parce que bah, la situation est assez difficile en ce moment. Donc, pas forcément un temps de comptage, de concentration suffisamment long. D'ailleurs, je suis déçue parce que Aglaé Laser, elle a sorti un nouveau patron. Enfin, elle va sortir un nouveau patron de châle au crochet. J'aurais adoré le tester. Je pense qu'en plus, j'avais la laine. Elle a envoyé l'appel à test. Et malheureusement, bah, j'étais en plein dans ces difficultés
où le cerveau ne veut pas rester accroché longtemps à quelque chose. Et le délai étant très court, je me suis dit, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. Et puis, si c'est pour lui dire à la fin que j'ai pas réussi, alors que dès le départ, je sais qu'il y a de grandes chances pour que j'y arrive pas parce que la situation n'est pas forcément meilleure. Disons que j'attends, je m'adapte et j'attends les conséquences. Voilà. Voilà, j'ai préféré refuser, mais vraiment j'avais envie. En plus, le modèle, il a l'air juste sublime. Mais en tout cas, dans tous les cas, je me le ferai quand elle le sortira. C'est pas un problème. Je me le ferai tranquillement et puis du coup à mon allure. Et puis voilà. Sinon, le manteau de ma renarde, il avance pas parce que j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie de me pencher là-dessus. Il faut compter. Il me fait mal aux mains. Ça me fait mal aux mains. Le point de texture du manteau me fait mal aux doigts. Je suis sur des mini circulaires, mais c'est un point qui est assez serré. Et du coup, même s'il n'y a pas beaucoup de mailles sur mes aiguilles, parce que bon, il n'y a rien comme mailles, il me fait mal aux mains et du coup, je n'ai pas très envie. Par contre, je pense que je vais monter une paire de sockets parce que ce week-end, on a eu un super temps. Enfin, un super temps. Il faisait bon, quoi. On n'était encore pas en été, mais il faisait bon. Et là, aujourd'hui, pourri, 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 pourri. Il pleut, il fait froid. Enfin, la totale, quoi. On est le 10, le 10 juin. Et on a du soleil une fois, deux fois, comme ça, de temps en temps, avec un peu de chaleur. Et puis, à côté de ça, le reste du temps, c'est là. Enfin bon, ça me rassure parce que j'écoute des podcasteuses qui sont dans le sud, qui sont dans le centre de la France. J'écoute aussi Monsieur Knitting qui est à Saint-Tropez. Et honnêtement, lui, ça n'a pas l'air d'être le fun non plus. Mon conjoint me disait qu'il a eu une cliente là au téléphone qui est au Portugal. Portugal, pareil. Ils sont pas de soleil, voilà. Alors que c'est des régions où en général à cette époque-là, ils sont déjà dans la chaleur, le soleil, tout. Ben là, elle sait que non. Donc voilà, hein, bon, on fait avec, hein, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bon, ben voilà, on se retrouvera sûrement plus tard pour la suite. Soit je viendrai clôturer ce carnet créatif parce qu'il traînera sur la longueur parce que j'avance sur rien. Soit je viendrai vous montrer encore un ou deux trucs, on verra bien. En attendant, on se retrouve plus tard. On se retrouve. Aujourd'hui, je viens clôturer ce carnet créatif et lecture parce que je n'avance pas au niveau projet, tricot. Tout ce que j'ai envie, je n'avance pas. J'ai d'autres choses à faire qui prennent plus de temps. Et du coup, voilà. Donc, je ne sais plus ce dont je vous avais parlé. Donc, ça peut être répétitif également. Concernant le vitamine D. Donc, concernant le vitamine D, j'en suis ici. Je ne crois pas avoir avancé depuis que je vous en ai parlé. J'avais séparé les manches. Enfin, non, j'avais rejoint en rond. Non, attends, je ne tricote pas en rond, c'est un gilet. J'avais rejoint le devant du derrière au niveau des emmanchures. Maintenant, il reste une étape avec des rangs raccourcis à faire que je ne connais pas. Et donc, comme je n'avais pas la tête jusqu'à présent de disponible pour me pencher dessus, je l'avais mis de côté. D'où le fait que ça n'est pas du tout avancé. Voilà, donc, rang, ça ne sert à rien. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai castonné et légèrement commencé, et en plus je suis en débutant évidemment, le scrappy granny tea voilà, de Oukt Hazel, voilà. Donc c'est celui-ci que j'ai décidé de crocheter donc dans des laines dans des écheveaux de jeu unicorne de chez Hobby qui sont des solides. Donc il y avait ces quatre là, je vais vous montrer. Donc,
Il y avait ces trois-là. Et celui-là. Voilà. Donc, voilà. Et ça donne... Alors, le problème, c'est que, voilà, comme je vous ai dit, hein, j'ai commencé un rond. C'est pour... En fait, c'est comme on travaille en rond, mais en tournant On travaille en rond, mais en tournant malgré tout le sens des couleurs. C'était pour me rappeler par où je devais commencer, parce que si je le reprends dans 10 000 ans... Comme c'est un peu le cas de tous mes tricots en ce moment, je les prends quand j'ai 2 minutes. Oui, j'en ai pas beaucoup de minutes en ce moment. Voilà. Donc, le voilà qui a commencé. Voilà. Alors, attendez, je vais tirer un peu pour que ça ne pas être gêné avec ça. Donc, voilà. Ça, c'est un peu le début. Alors, bon, ça donne rien, évidemment. Alors, il y a un endroit où il y a des augmentations. Je pense que c'est sur l'arrière. Je vais vous dire ça parce que je sais que je les ai faites ici. Oui, oui, oui. À mon avis, ça, c'est pour creuser l'avant de l'arrière. Voilà. En fait, c'est un... Enfin, en dessous de ma veste et de mon truc, ça va pas. Mais... Enfin, voilà. Donc là, je fais une alternance des couleurs qui n'est pas une alternance régulière. Je regarde un peu comment est fait celui-ci, mais après, je pense que je vais faire un peu comme j'ai envie. Donc, ça se construit déjà un peu en forme de yoke. Il va y avoir les épaules un peu tombantes. Et puis, avec ces petites aérations. Alors, comme ça paraît de grosses aérations. Mais par rapport... À l'échantillon, je suis loin d'avoir de grosses aérations. Donc, je ne sais pas. J'ai essayé de faire mes brides un peu plus hautes parce que, effectivement, moi, je les fais trop petites, ce qui fait que j'étais pas bonne. Ce qui fait que mon échantillon, qui est ici, voilà, mon échantillon, qui est celui-ci, donc j'ai bien fait, hein, voyez, je l'ai fait jusqu'au bout. Je suis tout à fait correcte au niveau des grappes, ils appellent ça des grappes, donc du nombre de brides, de sections de brides, on va dire, que je dois avoir pour 10 cm. Mais par contre, pour la hauteur, je n'étais pas bonne. Il fallait 11 rangs et moi, là, j'en ai 14 pour 10 cm. Ce qui fait que du coup, je me suis dit que ça devait être parce que, effectivement, vous voyez, moi, elles sont assez petites, mes brides. Ce qui fait que du coup, j'ai essayé. Alors, je ne sais pas si c'est flagrant, mais bon, on voit quand même un peu. Vous voyez ? J'ai essayé de les faire un peu plus grandes. Ah, est-ce que c'est flagrant? Alors, il y en a certaines, j'y arrive pas. Comme ici, elles restent petites. Donc après, ben, il y aura tous ces petits fils. Enfin, l'inconvénient dans ce modèle, c'est que comme je change de fil à chaque rang, à chaque fois, j'ai des bouts de fil à rentrer. Quoi, parce que j'ai encore pas trouvé... En fait, si vous voulez... Comme ce sont des sections de brides dans les trous, on ne peut pas faire courir le fil comme on pourrait sur des rangs de mailles serrées. Dans les rangs de mailles serrées, on peut rentrer les fils au fur et à mesure, ça ne se voit pas, c'est pas gênant. Mais là, on ne peut pas. Donc, va falloir que je les rentre au fur et à mesure. Donc là, je me dis, bon, j'attends un certain nombre de rangs. La première section, puis là, si je suis OK avec la taille, je rentrerai les fils au fur et à mesure. Et puis, comme ça, on verra bien. Donc, en tout cas, moi, j'aime bien le rendu. Alors, ça, c'est donc le... Ça ou ça. Ça, c'est le début. Donc, j'ai fait une chaînette... comment ils appellent ça ? Une fondation c'est une fondation de mailles serrées sans chaînette. Voilà. Alors, j'ai eu du mal à piger, hein, c'est ça aussi qui a mis beaucoup de temps, mais maintenant j'ai pigé. Donc voilà, et c'est vrai que ça la rend beaucoup plus élastique. Elle est beaucoup plus souple qu'une. Vous voyez ? Elle n'est pas rigide, je ne sais pas comment vous expliquer.
on peut tirer dessus, il n'y a pas de problème. Alors que l'autre, elle est plus rigide, en général. Voilà. Enfin, la mienne, en tout cas. Et puis, plus serrée. Donc, du coup, des fois, ça ne va pas. Donc, ça, c'était une bonne alternative. Voilà, voilà. En tout cas, je suis contente. J'ai quand même fait... ça représente combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Même 7 rangs, puisqu'il y a le rang de montage. Elle fait 7 rangs. Franchement, c'est rien. Parce que c'est pas le temps que ça prend à faire. C'est rapide. Le problème, c'est que ben voilà, il faut quand même du temps. Il faut pouvoir se poser. Il faut pouvoir se poser. Voilà. Et là, ces derniers temps, c'est une catastrophe. Alors, d'une part, j'étais dans un mood un peu particulier parce que, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mon loup s'est refait opérer il y a 15 jours. On attend de voir ce que ça donne. Bon, là, on a été enlever les fils hier, donc c'est plutôt... La cicatrice extérieure est plutôt jolie, m'a dit mon amie vétérinaire. Dedans, c'est encore un peu gonflé, mais elle m'a dit que c'était normal parce que certains chats font parfois des trucs. Mais aujourd'hui, par exemple, il n'a pas arrêté de miauler ce matin. Puis là, il est prostré, couché, prostré dans un coin, je ne sais pas. Et puis la pauvre bête, il a perdu un poids... Pour vous dire, je sais pas, représentez-vous, c'est un Maine Coon. Donc un Maine Coon, c'est un Maine Coon grande taille, qui fait 9 kilos à la base. Et il avait largement ses 9 kilos. Quand il a été opéré, quand on lui a enlevé son premier rein, il était tombé à 8 kilos. Bon, on va se dire 8 kilos, voilà. Ensuite, il était redescendu en dessous de 8 kilos, mais on avait réussi à les récupérer. Donc, il était revenu bien, 8 kilos. Et puis là, il fait 7 kg 2. Autant vous dire que c'est la peau et les os. Hein. Moi, j'ai juste un chat d'une grande longueur et c'est tout. Donc, voilà. Bon, c'est un petit peu... Donc là, on attend de voir la suite. Parce que la suite, c'est le plus important. C'est la cicatrisation qui se fait à l'intérieur du corps. Et elle devrait maintenant arriver... à terme, d'ici entre ici et une semaine, et c'est là qu'on saura si il est sauvé, il est sorti d'affaire ou pas, parce que si c'est pas le cas, il y aura plus de solution, vraiment plus de solution, puis surtout on veut plus le faire souffrir. Il a très très mal vécu cette dernière opération, c'est ce qui m'a aussi mis le moral en berne, qui m'a donné envie de rien. Donc voilà. Bon, enfin bref, on passe, on regarde les choses positives. On n'est pas là pour parler ou pour pleurer ce soir. Et donc du coup, voilà, c'est fait que j'ai pas beaucoup avancé. Bon, j'ai voulu poursuivre mon manteau pour ma renarde. Je me sens, comme je vous l'ai dit, j'ai vu que j'avais fait des erreurs parce qu'effectivement je l'ai fait dans cette période difficile. J'ai tout défait. De toute façon, je me suis dit, pourquoi tu t'embêtes à lui faire, parce que tu lui mettras pas. Parce que je l'aime comme elle est là, avec sa petite robe bleue, son petit sac. Je l'aime comme ça. Je trouve que là on voit vraiment l'animal et tout. Donc je me dis, pourquoi tu veux aller l'enfermer dans un manteau? Parce que le livre le propose, oui, parce que c'était l'occasion d'apprendre le point, etc. Alors peut-être, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire mes petits animaux, parce que ça, j'aime beaucoup. Je vais leur faire les habits que j'ai envie de leur mettre pour moi. Et puis ensuite, les habits que je n'aurais pas fait, si j'ai envie de les faire, je les ferai et je regarderai peut-être pour me faire une petite armoire d'habits. Peut-être changer de tenue ou autre, ou pouvoir me dire, ah ben tiens, elle a cette robe-là, je peux peut-être lui faire celle-là à la place. Voilà, parce qu'il y a plusieurs petites robes pour les filles, comme il y a quand même la chatte, la renarde, il y en a une autre, je ne sais plus, on en reparlera à l'occasion, voilà. Je me suis dit, je me ferai une petite armoire à habits pour les changer de temps en temps quand j'ai envie ou quand je la trouve vraiment jolie. Voilà, voilà.
Bon, ben, pour aujourd'hui, c'est tout. Au niveau lecture, ben, j'ai commencé un nouveau livre, mais je vous en parlerai dans le prochain carnet créatif qui apparaîtra, je ne sais pas quand, quand j'aurai repris vraiment un rythme normal. Là, on arrive fin juin, j'espère vraiment. En tout cas, mes objectifs de juin, ils sont tous foirés, hein, on va pas se mentir. On est quand même l'avant-dernière semaine du mois de juin. On est déjà au milieu de semaine. J'avance pas, j'ai pas avancé. Là, je vais courir à droite, à gauche. Je vais pas du tout avoir le temps de me poser, ni pour tricoter, ni crocheter, ni quoi que ce soit, ni même lire, je crois. J'espère qu'au mois de juillet, ça va être différent. En fait, au mois de juillet, j'aimerais bien faire de la couture. Principalement parce que, bon, en même temps, je vais vous dire, parce que j'ai besoin de t-shirts, en même temps, il fait tellement moche ici que des t-shirts, c'est pas, on n'en a pas moult besoin. Hein. C'est. Oh, on a la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, c'est horrible, c'est horrible. Je m'excuse, il faut que je voie un coup. Donc, on a de la pluie, on n'a vraiment pas l'impression que. Là, on est le 19. Ah bah, demain, c'est l'été? Bon, non. Non, mais peut-être que demain fera méga chaud, hein, parce qu'on ne sait pas. Hier, on a eu des gros orages, bah oui, tout d'un coup, on a eu un excès d'étouffement, comme ça, de l'atmosphère, et puis bah, pouf, ça a pété, forcément. Mais pourquoi? On ne sait pas, parce que la plupart du temps, il fait froid. Vous voyez, j'ai remis la veste, je ne peux pas traîner sans la veste, on ne peut pas sortir sans veste parce qu'il pleut, c'est galère. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, tout ça pour vous dire que, bah oui, en juillet, j'aimerais bien quand même me coudre mes t-shirts, même si pour le coup, je ne les mets pas cette année, bon, je les mettrai l'année prochaine, on verra bien. J'aimerais bien coudre mes pantalons, parce que ça, c'est un besoin urgent. Je n'ai même pas encore cousu le prototype que je vous avais montré, que j'avais coupé les machins. Non, je n'ai même pas touché à ça, je ne touche à rien. Catastrophe, c'est une catastrophe. La seule chose que j'ai fait, bah oui, là, c'est ces petits échantillons et le début de Caston, mais c'est tout, c'est tout, c'est tout. Oh, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'arrête, je clôture donc ici ce carnet créatif. Je suis désolée, il n'y a pas de contenu, il ne va pas forcément vous être d'un grand intérêt, mais c'est soit je le poste malgré tout pour que vous n'ayez pas un gros trou entre la précédente et la prochaine, parce que franchement je ne sais pas quand est-ce que je vais filmer la prochaine. Il n'y a pas d'intérêt, comme je vous dis, je fais rien de spécial. J'avance ni enfin en lecture j'avance en lecture audio, mais comme elle n'est pas finie, je préfère pas vous en parler. Lecture papier, ben voilà, je l'ai commencé, j'ai lu 20 pages, qui voulait que je vous parle de ma lecture papier. Puis le reste, voilà, c'est comme ça. Bon, sur ce, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment en ma compagnie. En attendant, ben, le prochain carnet créatif et lecture un peu plus rempli et plus intéressant que celui-ci. Je m'en excuse encore. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon week-end, journée, semaine, appétit, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans un nouveau carnet créatif et lecture. Ciao, ciao !